Ça y est, une rencontre préliminaire, ça a comité 12 membres qui, président James Michel, s'est appointé pour implémenter le thème national salonien qui poste ses lois. C'est vice-président Joseph Belmont qui peut diriger sa comité et assisté par ministre pour l'emploi et le développement ressources humaines, madame Maxouzi Modon. Et bon, les autres membres, ils représentent différents secteurs de pays. Et sélection qui vice-président, il dit, président, il fait pour que tout le monde, il voit les autres, peut gagner représenté dans sa comité. Sa rencontre préliminaire tienne l'introduction et si tout, pour un gaz à sa bonne membre d'une session mettre l'idée ensemble et voir qui m'en yèse pour transmettre sa thème de tout course la société. Vice-président Belmont dit qu'il travaille, qu'il fait les autres thèmes, si tout ça en l'année passée, nous constitution la voix nous nation, y intégrer le travail pour propose signification thème coste ses lois qui sont racines dans l'hymne national pour qu'il y en ait sa continuation. La continuation, si vous voulez, pour qu'il y en ait pour ça. L'unité, ensemble, nous mazine nos pays d'abord, nous mazine nos peuples comme un unit qui peut habiter sa bonne île. On nous voit tout quelque chose englobe toutes ces lois. Ça y est, en gros, ça qui nous ressorti de sa première rencontre préliminaire. À présent, là, bonne membre pour venir avec bonne idée, proposition concrète pour assurer que toutes ces lois dans tout course la société, il prend sa l'engagement et joue son rôle pour réaliser sa thème. Vice-président, il dit que sa comité, il voulait que sa thème vienne, qu'il restait vivant tout le long l'année et qu'il tous, tous citoyens, sa pays. L'année passée, c'est un thème plus, si vous voulez, comme on dit, dans une façon un peu plus abstraite, nos constitutions, mais bonne activité, il ne s'est fait pour qu'il dimonie bien plus familier avec la constitution, différents groupes, nous ne sommes et pour qu'il dimonie capable, surtout, bon droit fondamental, nous travaillons comme ça. Et ça l'en est, nous croyons aussi que ça coûte, il besoin encore plus près. Le comité bon matin Kozola, il besoin encore plus près coûte bon tout bon citoyen et c'est nous besoin réel imaginer le comité qui manière nous capable sentir que tout le monde peut coûter ensemble pour faire face à bon différents défis qui en ont. Le comité lui-même il y a un président une norme ou après il y a un grand représentation. Un membre comité, M. Alain Sétan, j'ai dit que sa première rencontre, il donne aux autres l'opportunité pour exprimer la façon qu'ils autres voient sa thème, son signification, direction qu'il PIP prend avec sa thème, et de là, organise un programme, activité qui est capable de faire au niveau national et la communauté pour que la population est capable d'associer les autres avec sa thème et aussi avec le travail de sa comité. Nous avons involve beaucoup de monde, nous avons sorti à la Côte d'Imoune, nous avons un programme Côte PIP. Involve son école, dans soi, voir à nous, puis discute le thème, et qui m'a dit pour bénéficier d'une façon plus large possible. Dans mon autre chapeau, comme l'industrie touriste, nous aussi, peut demander l'unité dans l'industrie touriste pour qu'on emmène ça l'industrie consolide. Et là, souligner avec sa comité qui est bien l'ombrelle plus large, nous capables aussi de coster ensemble pour nous mettre l'économie pays entier d'une perspective que Dimon pas trop gagné affecté. Je crois que ça c'est le premier. Je crois que le deuxième point qui m'a été content de faire ressortir, c'est que moi là, principalement à cause de moi, ces lois. Et si moi, ces lois, au besoin, non, ça l'effort pour mettre, pour nous, car emmène nos pays un peu plus devant. Et si nous tous nous mettons ça l'effort ensemble, nous tous nous besoin réussir, ou en la clarté, par exemple, comme sous question, à la fin de sa tunnel, pour nous capables de dire à la fin de nos mandats, la fin de l'année, c'est que oui, ça l'année nous achève quelque chose. Thème, coste, c'est ses lois pour lancer officiellement vendredi.